Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Friday Vidéo. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Froment avec moi. On va parler stratégie. Est-ce que on confond pas stratégie et fil rouge et planification? Alors Nicolas, on parle de stratégie, bien sûr, marketing. Bien sûr. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a un peu de confusion, que les gens, dès l'instant qu'ils planifient des actions, ils pensent que c'est une stratégie. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, il y a une vraie différence entre les deux. Et pour ma part, la stratégie, c'est une vision vraiment très long terme. C'est très important de différencier la stratégie et la planification. Pour moi, la planification est plutôt opérationnelle. C'est véritablement un plan de bataille par rapport à la stratégie qui, elle, a une vision d'une entreprise véritablement dans ce qu'elle a de plus cher, ses valeurs, entre autres. D'accord, donc plus dans la prise de recul, tu veux dire. Est-ce que ça prend de la hauteur par rapport au terrain, par rapport aux actions? Est-ce que c'est parce qu'on a une vision plus long terme? Est-ce qu'on dépasse des objectifs court terme? C'est quoi la stratégie? La stratégie, pour moi, c'est aussi ce côté visionnaire que certains grands noms qu'on peut citer, des gens comme Elon Musk, des gens comme Steve Jobs de son vivant, pouvaient aller au-delà même de ce que les hommes pouvaient voir. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. Et pour moi, ça fait sens dans la différence entre la stratégie qui est beaucoup plus haute. Effectivement, tu prenais la référence de la hauteur, de cette vision hélicoptère, qui est beaucoup plus forte que la planification, qui est plus opérationnelle. C'est ça l'idée, c'est de voir au-delà des attentes, au-delà de l'expression du client, du besoin du client, c'est d'arriver à dépasser ça peut-être, la stratégie. Exactement, exactement. Et ça demande aussi un vrai travail, mais qui est un travail stratégique, qui met du temps, et qui a aussi cette capacité que tout le monde n'a pas, d'avoir cette vision d'un monde. Donc on citait Elon Musk tout à l'heure aussi d'avoir cette capacité à voir plus loin encore que ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà, alors la stratégie, c'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il faut prendre du recul ou faire appel à quelqu'un à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez ce qu'on vient de se dire avec Nicolas. Ouais, n'hésitez pas, c'est juste là. À bientôt pour un prochain Friday Vidéo.